conseillère avec ce soir Jean-Bernard Hébé, Sophie Garel, Thierry Cochin, Stéphane Pocrin, Isabelle Alonso et Jean-Luc Lemoyne. C'est très déstabilisant, j'ai Sophie Garel à côté de moi. Et c'est Stéphane la première Pocrin. Fois qu'elle se trouve par là. Mais oui, mais bon, si on part du principe qu'ici, c'est le côté des idiots, moi, c'est bien, je tiens mon rôle de couillon, je suis constant. Mais les deux, là, ils ont eu un truc, visiblement, ils ont été jugés couillons cette semaine. Et selon la politique de Stéphane, il faut se mélanger à tout le monde. Eh oui. Oui. D'accord. Sophie, une question, c'est pour la Saint-Valentin, là, que vous avez eu ça, là, c'est... Ces boucles d'oreilles, non, pas du non, tout. Non, je parle des oreilles. Oh là là là. Non, c'est très joli ce que vous portez. Absolument. C'est du vrai, c'est quoi? Non, c'est du toc, mais j'en suis une autre. Oh, c'est très joli, on peut voir un peu plus quand même. Je vous en prie, allez-y, j'ai de très belles oreilles. Ah non. Ah non, ça je dois dire, j'ai des oreilles totalement parfaites. Le reste est un peu en vrac, mais de très belles oreilles. C'est bon, très, très bien. Van Gogh aurait connu ça, il me l'aurait bouffé. Allez, assez de considération. Sur les uns, sur les autres, il est temps de passer à la photo du jour, ou plutôt les photos du jour, regardez. Ce sont celles du candidat démocrate à la présidence des États-Unis, M. John Kerry. Il est à la fois Ken, Action Joe, Action Man, Big Jim. Hein, on peut lui changer ses tenues et ses activités comme on veut, c'est assez incroyable. George Bush peut être inquiet, tous les Américains vont vouloir le même avant Noël. D'autant que dans la famille Bush, ils ont eu le père, ils ont eu le fils, ils ont même eu le jeu de cartes Saddam Hussein. C'est normal qu'ils pensent à changer de jouet. C'est marrant quand même, hein. On n'est qu'en février et ça sent déjà le sapin pour le président des États-Unis. Oh. Il est formidable ce type. Hein. On peut revoir les photos. Regardez un peu toutes les activités. On croit à une vraie poupée mannequin. Alors, hockey sur glace. Bon, enfin, il avait 15 ans et demi. Hein. Moto. Sans non, casque, il n'y a pas 15 ans et demi. Casque. Chasse. Hein. Voilà. Bowling. Mais oui, mais c'est comme Action Man. Tu sais, tu les déguises selon les circonstances. C'est ça, c'est ce que je viens de dire. Non, t'as dit... J'ai fait la même chose en viril. Toi, t'as dit une poupée Barbie, ça va pas. Non, j'ai donné la liste. Big Jim, Action Joe, Action Man, j'ai dit. C'est les boucles d'oreilles. Faut pas lui en vouloir. Ça lui tire sur le conduit. Elle n'entend plus rien. Action, elle a pas compris. C'est pour ça. C'est pas Action. C'est Action Man. D'accord. Comment c'est pas dire du mal de son accent anglais. Non, mais c'est pas ça. Je trouve que vous avez très bien prononcé. C'était super. Vous aviez tout compris. Exactement. Voilà. Ce qui est surtout inquiétant, c'est de voir à quoi s'intéressent les Américains. Oui. Aux activités sportives du mec qui va les présider. Est-ce qu'on va pas dire Kiri le clown à un moment donné, non? Non, on va, non, quand il sera dur, on dira la vache, Kiri. Ah, Je crois qu'il est temps de passer à la revue de presse des dessins humoristiques de la semaine et on commence par l'affaire de l'inéligibilité de Jean-Marie Le Pen dans la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette inéligibilité vue par le dessinateur Babouze dans l'Humanité. PACA, Le Pen cherche chambre avec vue ou même avec une demi-vue, dit-il. Le même Babouze, toujours dans l'Humanité, réunit le père et la fille Le Pen. Et on voit la fille qui dit à son père « Reste positif, papa !» Ça veut peut-être dire qu'en PACA, eux aussi, ils ne supportent pas les immigrés. Toujours dans Charlie, le dessinateur Honoré revient, lui, sur le mois de prison ferme infligé à un jeune parce qu'il avait insulté Nicolas Sarkozy. On voit les réactions de Jacques Chirac et d'Alain Juppé. On les voit, mais on ne peut pas les lire. Hein. Ils ont la trouille. Charb dans l'Humanité, lui, nous dit qu'il faut se méfier des caméras de Big Brother qui nous surveillent partout. Et on voit ces deux Français qui disent « Monsieur Sarkozy, si tu l'insultes dans la rue, c'est un mois de prison. » Et l'autre dit « Moi, j'ai rêvé que je lui tirais les oreilles, j'ai pris 6 mois ferme. » Qu'est-ce qu'il avait dit déjà, le jeune qui avait pris un an ferme? Il avait dit... Nique ta mère. Voilà. C'est bon, il vient de prendre un mois aussi, lui. C'était peut-être pas une insulte, parce qu'il s'appelle Nicolas Sarkozy. Peut-être que le jeune va vous dire « Eh, Nick, ta mère !» Non. Avec un bon avocat, avec un bon avocat, ça se plaide. Et même, il voulait dire « Nick, t'es mère de Neuilly ». Enfin, des choses comme ça. Dans Libération, c'est Willem qui nous montre le président de la République en train de dresser son premier ministre. On voit Chirac dire à Raffarin « Qu'est-ce que t'attends pour le réduire en viande hachée ?» Qu'est-ce qui se passe, hein, en ce moment?
pétillon dans Le Canard enchaîné. Et là, on voit John Kerry qui dit, parce qu'il est accusé d'avoir eu une liaison, une maîtresse, il dit c'est faux, mais je reconnais que j'ai un cousin français. Ouais, c'est Brice Lalonde. C'est Brice Lalonde, hein, ça, faut le dire. C'est très drôle. Alors, le meilleur dessin de la semaine, à mon goût, c'est celui-là. C'est la grippe du poulet vue par Grosse dans Marianne. Et on voit un poulet avant de passer à la machine qui dit « À trois, j'éternue pour faire diversion. » Excellent. Le nouveau préfet du Jura fait son retour sous la plume de Emmerick dans Marianne. Et on voit le préfet du Jura qui prend ses fonctions et qui le dit, il est sur un vélo, « On m'a dit que pour la voiture de fonction, on verrait plus tard. » Le Fred Touron revient dans Le Canard enchaîné sur la grève qui a cloué les avions au sol. Et on voit un type derrière son comptoir qui dit « Faut voir le bon côté des choses, hein, on vous sauve peut-être la vie. » Rançon dans Le Parisien revient lui sur le match des Bleus de mercredi soir, ça va vous plaire Jean-Luc. « Ça va être un match super !» dit un supporter. Et l'autre dit « Hé Anelka, au lieu de bouder à la cuisine, apporte-nous des bières. » Ah, c'est vrai que suite au match, on n'a pas eu vos commentaires depuis mercredi soir, Jean-Luc, ah, suite oui. au match de mercredi, là, Nicolas Anelka, ses chances se réduisent vraiment pour revenir un jour chez les Bleus. Oui, ben, on voit qu'on a un gros vivier en attaque et c'est tant mieux pour la France. Maintenant, Anelka reste un bon joueur et ça serait bien qu'il s'excuse vraiment, qu'on puisse avancer un petit peu parce que sinon, le débat va se poser pour le prochain match contre les Pays-Bas. Tout à fait, c'est un beau geste technique qu'on aimerait voir plus souvent, Thierry. Ah, à propos de gestes techniques. Le célèbre Momo, hein, que vous connaissez tous ici, c'est un de nos collaborateurs à l'émission. Et c'est un foot-foot, il a regardé le match là, contre la Belgique mercredi soir. Il paraît que Jean-Michel Larquet, au moment du deuxième but, hein, il me semble, disait, parce qu'il y avait Zidane qui avait le ballon, et Larquet n'arrêtait pas de lui dire « À droite, à droite, donne le ballon à droite, il y a un type qui attend à droite !» Et Zizou, il envoie le ballon de l'autre côté à l'attaquant, pouf, et but. Et en fait, il fallait aller à gauche. Et là, Larquet fait « Bon, bah oui, c'est ça le génie !» Vous n'avez pas vu ça? Allez, dans Les Inrecuptibles, c'est le dessinateur Luz qui a imaginé la suite au succès du film Podium. Après Podium, Benoît Poulvorte se prenait pour Claude François. Bientôt Terroir, où il se prendra pour Jean-Louis Murat. Ça, ça vous plaît, hein? Jean-Bernard. Mais oui, mais je trouve que c'est pas assez ressemblant parce que Jean-Louis Murat, d'abord, ne fume pas. Et il est beaucoup moins élégant que ça. Allez, on termine par deux dessins de Philippe Geluck, extrait de VSD. Premier dessin, on voit le chat qui est à l'envers, qui dit « Si vous parliez à l'endroit, nous n'y serions pas contraints, monsieur le directeur. » Alors, on se demande ce que dit le directeur. Vous voulez savoir ce que dit le directeur? Bien sûr. Oui. Alors, on met le dessin à l'envers, et le directeur, lui, il dit « Vous trouvez ça malin, hein, à faire le poirier comme tous vos collègues ?» On peut le retourner encore. Non, c'est pas ça. C'est que comme je suis un peu fatigué, le temps de retourner le dessin, j'ai oublié ce qu'il avait dit. Eh oui. Ah ouais, voilà. C'est vraiment drôle. J'en ai un dernier, Geluck. Regardez ce dessin, plusieurs cases. Ne fais pas le beau, dit le chat. Ne va surtout pas chercher la baballe. À un chien empaillé, on parle pas comme à un autre. À la faveur de l'automne, c'est le nom du deuxième album de Tété, l'une des révélations de la chanson française. Il est d'ailleurs nominé aux prochaines victoires de la musique dans les catégories Révélation et Album scène de l'année. Le 6 mai, il sera en concert à l'Olympia avant une grande tournée dans toute la France cet été, mais aussi cet hiver, puisque cette tournée durera jusqu'au mois de décembre. Son vrai prénom, c'est Gérard. En fait, il s'appelle Gérard Nibar, mais il s'est dit que Tété, c'était plus poétique. Non, je déconne. Pour tester ensemble À la faveur de l'automne, un très joli album, c'est son deuxième. Accueillons Tété. Bonsoir, bienvenue. Enchanté de faire connaissance. Là, Laurent, je veux dire qu'il y a intimidation. Le mec qui arrive avec ses muscles comme ça, c'est qu'il veut pas qu'on parle mal de son album, déjà. Oh, je crois qu'il a pas trop grand-chose à craindre, parce que les critiques sont plutôt sympathiques avec vous, vous suivent depuis le premier album. Je sais pas si vous êtes très programmé en radio avec vos chansons, Tété.
Ça dépend des raisons, mais je crois que cet album-ci passe un peu plus que le premier. Franchement, vous êtes un homme heureux, là. Tout ce qui vous arrive, c'est formidable, non? Oui. C'est drôle, vous êtes tout timide. Mais... Vous imaginez pas aussi timide que ça? Je sais pas. C'est pas un exercice auquel je suis... Bon, en tout cas, deux albums. Le premier qui a vraiment eu de très bonnes critiques déjà. Celui-ci qui, en plus, trouve son public. Vous sentez quand même que, petit à petit, il y a des vrais... On appelle ça, paraît-il, des tétéphiles qui vous suivent de plus en plus nombreux. Bon, en fait, le truc, c'est surtout qu'entre un premier et un deuxième album, c'est vraiment une... Enfin, on cherche un peu les directions dans lesquelles aller. Pendant quelques temps, et ça vous oblige à vous confronter à vous et à recommencer à zéro. Et ce que je retiens de ça maintenant, c'est que je mets un petit peu ces deux choses en perspective et je me dis qu'il y ait des gens qui viennent au concert et puis que l'album passe un peu à la radio, c'est autant de choses qui me permettent de continuer à avoir ma liberté de cheminement. Et peut-être bientôt une victoire de la musique, on vous le souhaite en tout cas. Vous êtes nominé deux fois pour les victoires qui auront lieu le 28 février, qui seront diffusées sur France 2, animées par Delarue et Guillaume Durand. Pour faire un peu plus connaissance avec vous, on va vous poser des tas de questions. Ils vont évidemment parler de votre album, mais avant, un extrait de votre dernier clip à la faveur de l'automne, TT. À la faveur de l'automne, revient cette douce mélange. C'est le titre de l'album, deuxième album de TT. Jean-Bernard Hébé, qu'est-ce que vous en avez pensé? De TT, on passe à Pépé. Non, alors, la première chose, moi, quand j'ai entendu l'album de TT, que je ne connaissais pas le premier, ça m'a fait penser à un Belge. Dick Angarn. C'est Bruxelles, ma belle. Il a le même phrasé que lui, c'est-à-dire qu'il est arrivé avec des mots français, à chanter un blues léger, c'est déjà un premier point. La deuxième chose, c'est qu'à une époque où on parle de chanteurs dont les disques sont dans les bacs alors qu'eux ne l'ont pas, c'est tout à fait sidérant de voir quelqu'un qui a des mots qui veulent dire quelque chose. Et troisièmement, c'est un vrai bonheur d'avoir monsieur comme lui, parce que je vais... D'habitude, quand vous m'envoyez des disques et que je dois les écouter, je les écoute une fois, je les mets à la poubelle. Enfin, je ne les mets pas à la poubelle, mais il y a un seau à la maison pour les trucs, pour les gens qui passent et tout, les cadeaux de fin d'année pour les postiers, les trucs comme ça. Voilà. Et lui, non, déjà... À mon avis, tu vas recevoir du courrier. Mais je m'en fous. Surtout de la poste, oui. Oui, non mais... Lui, je vais garder son disque, il est déjà dans ma voiture. Et je peux vous dire que pour rentrer dans ma voiture, monsieur, c'est déjà très difficile. Bravo, c'est formidable. Aussi, c'est difficile. Voilà, bravo. Stéphane Potra. Moi, j'ai beaucoup aimé cet album. D'abord parce que ce garçon a une plume, un œil et ensuite une oreille. La plume, parce que c'est remarquablement bien écrit. Alors, je ne vais pas faire le grandiloquent, mais il y a vraiment des moments de texte qui sont très, très chouettes. Notamment, je pense à « Un jour comme ça dans la rue, vint à passer un parvenu. Tout ventripotent, bien rendu, ivre sans doute d'avoir trop bu, tout discrètement à son insu, je dégaine alors ma massue, de rechef ni vu ni connu, de là, je douche l'individu. » Et donc raconter, donc c'est une chanson qui raconte l'histoire de quelqu'un qui se balade dans la rue, qui pisse sur un bourgeois, il finit par se faire mettre les menottes, on l'amène au tribunal, et au tribunal, il pisse sur l'assistance. Alors par ces temps de délire sécuritaire, je trouve ça absolument extraordinaire. Merci pour cette chanson. Et surtout, il y a une chanson, je suis sûr qu'elle a été écrite pour moi, parce que le sous-titre, c'est « L'art délicat de passer pour un con ». Alors vraiment, merci. Si je vous interroge, là, je vais vous faire parler là, sur vos concurrents, on peut les appeler comme ça pour les victoires de la musique. Un mot, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce sont des copains? Est-ce que vous les aimez? Le groupe Kyo, qui a déjà raflé pas mal de choses cette année, ne serait-ce qu'au Energy Awards. Alors, ça c'est... Bon, ils ont des chances contre vous, le groupe Kyo? Ah bah, ils ont toutes les chances. Enfin, je trouve que... pour mettre un peu les choses en perspective, enfin, relativiser quoi. Et avant tout, ma victoire aujourd'hui, c'est pouvoir continuer à faire des concerts et de pouvoir de faire mon métier au jour le jour. D'ailleurs, vous avez commencé à Paris, dans la rue, quoi, en fait. Hein. Vous êtes arrivé à Paris, vous n'avez pas de contrat avec quelques maisons de disques que ce soit. Vous veniez de l'Est de la France. De Nancy. Vous avez commencé à chanter où? Dans le métro, dans les rues, ou ça? Non, j'ai jamais joué dans le métro. Enfin, j'ai jamais eu les trips, mais j'ai dans des bars.
Dans des bars. Oui, dans des bars, ouais. Oui. Mais qu'il est attachant. Tu as vu comment il parle comme il est gentil. Pourquoi vous dites ça? Je trouve ça formidable. Le gars, il réussit, ça marche pour lui, les critiques sont unanimes, il a un public d'enfer, il a des dates pour l'année. Et il dit, je sais pas, j'essaie d'arranger mon truc et puis peut-être ça va marcher, mais moi j'y crois pas. Je suis d'accord, moi je propose qu'on garde Tété et qu'on vire Pocrin. J'ai bien aimé votre disque d'abord parce qu'il n'est pas agressif. On nous file de ces disques par moment pour tous ces jeunes qui réussissent, où ça aboie. Moi, j'ai le gardien qui vient livrer le courrier, j'entends pas la sonnette. C'est insupportable. Vous, c'est calme, c'est doux, c'est nonchalant, c'est un peu mélancolique. Par moment, alors là, je vais être sévère, vous n'articulez pas assez. Ce sont des textes qui sont vraiment intéressants. Il y a des moments. Et non ! Je veux savoir ce que vous dites. Je veux que ce soit pour moi. Je veux l'entendre. Mais tout est bon chez vous. Le 6 mai 2004 en concert à l'Olympia, le 18 mars dans le cadre du festival Chorus des Hauts-de-Seine. Et puis on vous verra aussi, j'imagine, au Zénith pour ces victoires de la musique le 28 février au soir. Vous y serez, hein, au cas où vous receviez une des deux victoires pour lesquelles vous êtes nominé. On vous remercie beaucoup. On est très fiers de vous recevoir cet été à la faveur de l'automne. Merci. Les problèmes de mauvaise haleine sont très fréquents, n'est-ce pas Jean-Luc? C'est pas de mauvaise haleine, j'ai une dent creuse, excusez-moi. Les problèmes de mauvaise haleine posent un véritable problème, il faut bien le dire, surtout pour son entourage proche, hein, quand on a mauvaise haleine. Un entourage proche, d'ailleurs, qui ne reste pas trop longtemps dans ces cas-là, proche. Vous avez peut-être déjà remarqué le visage défait de vos amis quand vous leur parlez. Eh bien alors, il est temps d'aller consulter. Un médecin vient de créer, écoutez bien, un centre dans lequel on vous donnera d'excellents conseils pour retrouver une haleine fraîche. C'est une sorte de cabinet médical dont le slogan pourrait être « qui ne dit mot qu'on sent ». Thierry Marquet, habitué aux prises de bec, a testé pour nous lutter contre la mauvaise haleine. Regardez cette caméra cachée signée Marcel Bélanger. Et après, nous recevrons sur ce plateau le chargé de communication du centre en question, le centre de l'haleine retrouvée pour un mieux-être réel. Caméra cachée. Bonjour, Thierry Marquet. J'ai testé lutter contre la mauvaise haleine. Coupez, elle est bonne, celle-là. Oh, yo, ça va? Bonjour. En fait, je suis du ministère de la Santé, Thierry Mercadier. Oui. On est en lutte contre un problème national. C'est quand même un problème de santé publique, qui est la mauvaise haleine. Vous cuisinez avec des oignons? Oui, parfois, oui. On interdit tout oignon à la vente pendant 6 mois. Ça me paraît déjà un procédé excessif. Donc tous les oignons, il faut me les sortir, me les mettre ici sur la table, parce qu'on va les supprimer de la vente, monsieur. C'est impossible, monsieur. Moi, je ne vous les donne pas. Je ne veux pas vous donner les oignons. Bon, on va au moins saisir les oignons. Vous saisissez rien du tout. Vous saisissez rien du tout, monsieur. Mais vous comprenez pourquoi on veut bien faire sûr, ça? Bien sûr, je comprends. C'est bien. Pour l'haleine. Oui, mais moi, je m'en fous de l'haleine. Chacun fait ce qu'il veut avec son haleine. Vous venez avec les gendarmes, avec les trucs, mais je vous donne rien. On peut venir avec les gendarmes, bien vous sûr. Garderez vos oignons. Pas de problème. Moi, je mâche des chewing-gums. Je préfère ça que les boules de gomme. C'est beaucoup plus agréable en somme. Moi, je mâche des chewing-gums. Vous savez qu'on a un problème en ce moment. On est en lutte contre un fléau national de santé publique qui est la mauvaise haleine. Donc M. Mattei nous a demandé de retirer de la vente pendant 6 mois tout ce qui est oignons, échalotes et ail. J'ai des pizzas avec oignons. Faudra les retirer de la vente. Hein. Ah, d'accord. Et le fromage aussi? Oui, oui. Vous vendez du fromage? Ah, vous avez des pizzas au fromage? Oui, chez moi, c'est pas 4 fromages, c'est aux 5 fromages. C'est-à-dire ça. Ah oui, là, ça, on sent vraiment mauvais de la bouche après ça. Hein. Donc là, vous avez des oignons, monsieur. Je retire les oignons. Vous retirez les oignons. C'est très bien, monsieur. D'accord. Et puis, les fromages. Vous faites de la pizza 5 fromages, vous m'avez dit? Celle-là, faudra la supprimer du menu. Supprimer pendant 6 mois. Ouais. Alors ça, c'est le menu. La fromagère, elle est là. La fromagère, qu'est-ce que vous faites? Vous la barrez, hein? Je supprime tout ce qui est oignon, échalote, ail. Oui. Et fromage. Voilà. La végétarienne, qu'est-ce que je vois? Oignon. Oignon, oui. Hop, terminé. La blanche, oignon. Voilà, bah donc, d'accord. Au niveau de la laine, c'est pas terrible. La pizza orientale, par exemple, il y a des oignons. Je supprime toute la pizza. Vous aussi. Supprimez la pizza. Bon, je supprime l'ingrédient. Je supprime toute la pizza, je vais supprimer pratiquement la moitié de la carte. Non, vous pouvez encore faire juste des tomates mozzarella. Vous commandez 4 pizzas? Bien sûr, monsieur Alice. Même 4 fromages. Non, mais il n'y a plus. Pourquoi il n'y a plus? Ça sent mauvais par la bouche, monsieur. Je ne sais pas si avant de recevoir notre invité et avant l'émission, tous, mais moi je l'ai fait en tout cas, vous êtes mis un petit truc dans la bouche. Quel petit truc vous avez mis dans la bouche? Un petit bonbon, un petit truc dans la bouche.
Un gros truc, si vous préférez, Isabelle. Non, mais ce que je veux dire, vous n'avez pas pris un petit pchit ou un petit chewing-gum? J'ai pas ce genre de problème. Oui. On va lui demander à notre invité. Voici monsieur Philippe de Boucaud, qui est donc responsable du Centre pour la laine retrouvée. Bienvenue. Merci, première chose, est-ce qu'il peut te souffler dans la figure pour qu'on sache? Bah, j'imagine que vous êtes le premier bien servi. On dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés. J'espère que vous, vous avez bonne haleine. Alors j'espère. Mais est-ce que c'est vraiment un problème, j'allais dire récurrent? Est-ce que vraiment il y a de plus en plus de gens qui puent du bec, quoi? Oui. Il y a beaucoup de gens. Il y a à peu près, on dirait 30% de la population qui passe à un moment. Je les connais bien tous. Par ce problème-là. Mais vous dites qu'on en parle plus facilement aujourd'hui. On en parle plus facilement aujourd'hui. Les tabous sont en train de tomber. Oui. Les dents aussi, d'ailleurs. Les dents. Justement, souvent, il faut aller regarder dans les dents, voir comment ça se passe. Et on se rend compte que c'est un tout petit peu plus compliqué que mais ça. Vous avez de nombreux clients, c'est une question que je me pose. Il y a beaucoup de gens qui frappent ou qui sonnent à votre porte en disant « J'ai mauvaise haleine, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi ?» Combien de personnes, combien et de clients? Et puis surtout, c'est quoi l'ambiance dans la salle d'attente? Pas un mot. Alors déjà, il y a une petite interdiction. Hors de question d'arriver avec du parfum. Hors de question d'arriver... pour que vous puissiez faire un diagnostic, absolument. Il faut venir tel quel. Voilà, vierge. Et là vous, alors vous, comment ça se passe? Vous faites un test? Alors, déjà, on vous donne un questionnaire. Il met le nez dedans, déjà. Comment? Déjà, le type est derrière son bureau et la chaise du patient est à 10 mètres. C'est comme à la poste, il y a marqué « Parler devant l'hygiophone ». Il faut pas se moquer, c'est un sujet... Mais on en connaît tous des gens qui puent du bec. C'est un sujet très grave. Et en fait, on se rend compte que tous ces gens-là, d'abord, ils avaient vraiment peur d'en parler. C'est très récemment, on se rend compte que même entre eux, dans la cellule familiale intime, entre mari et femme, petit copain, petite copine, etc., les gens commencent à se dire, écoute, Chéri, il fait quelque chose. Parce que franchement... Vous n'avez jamais dit à un copain ou une copine, attends, il fait quelque chose, ça pue. Moi, je vous le dis. Alors là, moi, je le dis. Si on est un vrai copain, on le dit. Bon, je vous le dis, Isabelle. Il y a une histoire comme ça, vous la connaissez tous, non? Du couple, jeune marié, qui lui n'ose pas dire avant la nuit de noces son problème. Mm-hmm. Son problème, c'est qu'effectivement, il pue du bec. Mm-hmm. Et elle n'ose pas dire qu'elle pue des pieds. Ils passent la nuit de noces ensemble. Et puis, lui, il n'ose pas s'approcher. Et puis, chérie, faut que je te dise quelque chose. Faut que je t'avoue un truc. Et elle... dis, non, j'ose pas te le dire. Puis elle fait, j'ai deviné. Quoi? T'as bouffé mes chaussettes. Elle est moyenne, hein? C'est une très vieille histoire. Vous la connaissiez pas? Pas du tout, mais bon, je pourrais la mettre à mon répertoire. Ah bah oui, vous allez pouvoir, parce que là, avec les clients que vous avez... Alors bon, ils arrivent, les clients. Ils arrivent. Les patients. Ils arrivent, bon, ils refoulent un peu. Hein. Vous les refoulez pas? Non, on essaie de les accueillir avec beaucoup de doigté. La vraie question, en combien de temps vous réglez les problèmes? Ça, c'est vrai. Alors, comme il y a une partie, je dirais, psychologique, il y a à peu près... La consultation dure à peu près 3 heures. Écoute... Hein? 250 euros plus 50 euros. Non remboursé. Euros. Voilà, non remboursé. Oui, malheureusement, la prévention... Mais une fois que vous êtes sorti de là, on a trouvé une solution à votre problème. Si c'est un problème intestinal, si c'est un problème dentaire... Justement, mais là, on se rend compte que 85% de l'halitose, puisque c'est le nom savant pour la mauvaise haleine... On dit l'halitose, 85% vient... H-A-L-I-T-O-S-E. Absolument. L'halitose, c'est la mauvaise haleine. Voilà, c'est la mauvaise haleine. 85% provient de la bouche, le problème. Le reste... Il y a une véritable idée préconçue de savoir qu'on a l'impression que ça vient de l'estomac, de problèmes gastriques, etc. C'est absolument faux. Après... Ça vient de sous la langue, même, vous dites. Hein. Absolument. Il y a les bactéries, puisque c'est une question souvent de bactéries. Enfin, si vous voulez, on pourrait aller plus loin. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Il aurait peut-être détecté un problème chez toi, alors. Je ne suis pas médecin. On va lui demander tout à l'heure. Alors, justement, tu sais, moi, tu le sais, j'aime bien les inventions et tout ça. L'INPI, c'est ma deuxième maison. Et à un moment, je voulais inventer un truc parce que, justement, les gens qui puent un peu, eh bien, ils ne le savent pas. Et donc, l'idée, c'était de faire un système de testeurs. On souffle dedans et après, on peut renifler l'odeur et évaluer. Le problème, le vrai problème, c'est comment savoir quelle est la norme.
quand ça sent bon, ça sent mauvais, c'est extrêmement relatif. Éric Auchin se pose des vraies questions. Ben oui. Mais vous avez. Mais j'ai encore. J'ai pas. Vous allez nous expliquer, hein. Mais je vais vous expliquer parce que vous dites qu'il y a tout n'est pas dit. Je sais pas ce que c'est ça. Le banatest. Le banatest. Le banatest, c'est quoi? Parce que c'est inquiétant, comme nous on se dit tiens, on vous met une banane dans la gueule, qu'est-ce que c'est que ça? Le banatest, c'est tout simple, c'est l'étude des bactéries. Ah. Voilà, et on mesure les bactéries que vous avez dans la bouche. Alors à savoir que toutes les bactéries ne sont pas mauvaises, mais c'est tout simplement la surproduction de bactéries qui peut entériner un déséquilibre. Jean-Bernard Hébé. Moi, je suis désolé puisque vous êtes le monsieur qui est là pour promouvoir cette institution, mais à 250 euros la passe, on peut peut-être un peu réfléchir. Et c'est un bon moyen pour ne pas se faire tondre la laine sur le dos. Si on commençait déjà par pas fumer, si on commençait par ne pas manger d'ail, si on commençait par ne pas manger d'oignons, si on commençait par ne pas manger des fromages qui puent. Oui, mais c'est bon tout ça, Jean-Bernard. Mais on peut se laver les dents après. On peut se laver les dents après. Je ne suis pas du tout d'accord. Parce que là, les trucs que tu cites, c'est des odeurs gênantes mais passagères. T'as des gens qui puent de la gueule toute l'année. Mais oui, ceux qui fument. Mais oui, mais non. Il y a des gens qui fument pas, mais ça pue. On passe pas son temps à bouffer des oignons ou des kyrielles d'ail. Il y a des tas de gens. On se lève le matin et on peut avoir tout simplement commencé à avoir. Le stress provoque par exemple énormément de. Alors j'ai une question. Est-ce que c'est vrai que quand on se brosse les dents, il faut aussi brosser le palais, la langue, les gencives et tout le toutim? Absolument. Ouais, c'est ça, hein. Et déjà, là, ça restreint beaucoup. Et justement, il y a une éducation après, je vous interromps, mais il y a le praticien ensuite dans la... Enfin, c'est assez long, comme je vous le disais. C'est éducatif, tout ça. C'est assez éducatif, c'est très pédagogique. On vous apprend comment il faut véritablement brosser correctement ses dents. Et puis, il y a un autre truc que moi, j'ai les dents un petit peu mal plantées. Non. C'est ce qu'on m'a dit. Non. Moi, je trouve ça assez joli, personnellement. Mais bon, ça veut dire que mes interstices entre les dents sont irréguliers. Et mon dentiste m'a fait acheter, il y a déjà des années, un jet d'eau. Un Karcher. Un Karcher, exactement. Un Karcher pour les dents. Et ça, c'est vachement bien. Il faut le dire aux gens qui n'ont pas 250 absolument. Euros. La petite mais machine, elle coûte beaucoup moins cher que ça. Et c'est super efficace pour bien nettoyer. Je suis absolument d'accord avec vous. Entre les dents. Deux dernières questions. D'abord, est-ce que les petits trucs qu'on nous vend, alors il y a des petites sheets pour la laine, il y a aussi maintenant, c'est très en vogue, les petites feuilles qu'on se met sur la langue, il y a la menthe, il y a tous les parfums, et c'est vrai que d'un seul coup, hop, on respire. Est-ce que tout ça, c'est bon ou pas? C'est vachement bien quand on sort de l'avion et qu'on a envie d'aller à sa réunion et d'être frais. Ça dure deux heures et puis après le problème revient. Oui, ça remplace pas le bon brossage. Une dernière demande, si c'était possible, est-ce que vous pouvez aller tester les haleines de mes petits camarades pour me dire s'ils ont besoin de passer chez vous ou pas? Mais franchement, bon, les hommes, parce que les femmes. D'accord. Peut-être, alors allez-y. Tu t'approches de moi, je te casse la gueule. Non, mais ceci dit, il y en avait vraiment un qui fait de la gueule, c'est George Bush, justement. Je suis d'accord avec vous. Et Jack Lang. Alors là, je ne peux que... On va vous remercier, signalant à nos téléspectateurs que demain, nous parlerons du problème de ceux qui puent des pieds. Non, on l'a déjà fait, merci, ça. Monsieur. Déjà fait. Philippe de Boucaud. Hier est sorti en librairie... Toi à l'ours, moi à la poupée, Jean-Yann et moi, aux éditions Michel Lafon, le livre de la comédienne Nicole Calfan. Dans son ouvrage, elle nous raconte ses 7 années d'amour passées pas avec... Pas 7, 5. Pourquoi pas 7? Ah non, 5 années. 5 ou 7? Oui. Bah, va me le dire, en tout cas. Vous savez mieux qu'elle joue, alors. Ah ben, je suis au courant de certaines bricoles, je lis l'actualité. Bon, 5 ou 7 années passées avec Jean-Yann, alors qu'à l'époque, Nicole Calfan n'avait qu'une vingtaine d'années. Elle brosse de Jean-Yann un portrait intimiste et révèle qu'il était un grand sensible, ce qui, évidemment, au premier coup d'œil, n'était pas forcément sa caractéristique principale. Pour tester ensemble, toi, l'ours, moi, la poupée, accueillons la comédienne Nicole Calfan. Bonsoir, bienvenue. Ah, la polémique commence. Oui, j'ai entendu. Elle dit pas 7, 5. Alors 5 ou 7? C'est que vous avez clan des veuves ici. Ben, je vois ça, oui, c'est un peu ça. Oui. Vous avez eu en commun Jean-Yann. Alors vous avez décidé de faire ce bouquin. Alors c'est 7 ou 5 ans? Moi je dis 7, mais Sophie dit... Non, il vous a connu en 70. J'adore. On dirait un vieux règlement de compte, mais elle te l'a devant moi. Devant moi, Bromberger a proposé être vous fiancée à Marie Grec, ce sera Nicole Calfan, et ben elle sera bonne, il a dit. Et vous l'avez quittée en 75. Donc oui. De 70 à 75,
Le compte est bon. Bon. Non. Et vous l'écrivez quand, votre livre? Ah, sûrement pas. Bon, 5 ans, alors 5 ou 7 ans avec Jean-Yann, c'est pas une paille, hein, 5 ou 7 ans, non, de toute façon. Vous avez eu envie d'écrire ce livre. C'est vous qui avez eu l'envie ou c'est Michel Lafon qui vous a demandé? Ah non, c'est moi. Bon. Non, c'est moi. Pourquoi? En revenant de l'église, des Lilas, je me suis dit que j'avais beaucoup de choses à lui dire, des choses que j'avais pas eu le temps de lui dire le temps de son vivant, puisque je ne l'ai pas revu, ou très très peu, après notre séparation. C'est pas faute d'avoir essayé, hein. C'est vrai? Oui, oui. Mais rien n'y fit, donc j'avais encore beaucoup de choses à lui dire, et j'ai eu envie de lui faire cette ultime déclaration d'adieu. Déclaration d'adieu et d'amour? Et d'amour. Et d'amour. Vous dites d'ailleurs que ça ne gêne pas votre mari actuel, il est très tolérant par rapport à ça? Oui, oui, tout à fait, parce qu'il sait que... On devient. Pardon? Il sait que ça va rapporter de l'argent, dit-elle. Non, c'est pas une question de ça. Il a aucune jalousie. Disons, ça commence fort, là. C'est... Non, puis d'abord, c'est vieux, quand même, comme histoire. Votre mari n'a pas à être jaloux d'une histoire qui s'est passée. Il y a prescription. Il y a prescription, hein. C'est quand même normal qu'il ait. Et Jean étant un être absolument à part, j'avais envie. D'abord, j'ai commencé à écrire des livres parce qu'il ne lisait plus mes lettres. Quand même important. Ah oui. Donc il n'y en aura peut-être pas d'autres après, c'est l'8e. Celui-là, il est la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Vous dites que vous allez tourner alors combien de fois avec Jean-Yann? Trois fois? Trois fois. Trois fois, attendez, absolument. Maintenant, je vais ici. C'est la guerre. Non, pas du tout. Absolument. Oh, non. À elle, le cinéma, à moi, la radio. Ah, c'est très joli. On n'a pas pu avoir Mimi Coutelier sans plateau, autrement on les aurait peut-être... Oh, elle l'aurait tout pris. On les aurait peut-être réunis toutes, les ex de Jean-Yann. Bon, vous avez eu envie de raconter votre histoire, vos 5 ans avec, ou 7 avec lui. C'est vrai qu'il y a eu trois films importants. Alors, le premier, parce que le titre du premier, j'arrive jamais... Êtes-vous fiancé à un marin grec ou un pilote de ligne? Voilà. Ensuite, il y a eu Moyen à vouloir des sous, Les Chinois à Paris. Mais j'avais surtout envie de raconter ce que nous avions vécu ensemble. C'est-à-dire ce cinéma sur fond d'années 70 avec des gens magnifiques. Les producteurs à l'époque étaient moins des banquiers qu'aujourd'hui, c'était des aventuriers. Ils jouaient quelquefois leur fortune pour financer des films. Et puis l'ascension de Jean qui est passé de comédien à producteur avec Sine qua non, j'avais vraiment envie de le raconter, voilà. Ben voilà, c'est fait, c'est chez Michel Lafon. Toi, l'ours, moi, la poupée, Jean-Yann et moi, alors on commence par qui? Isabelle, allons-y. Attention. Tiens, Isabelle. Ben, moi, je suis très troublée par ce livre. Je suis à la fois émue et troublée. Émue parce que c'est une vraie histoire d'amour que vous racontez avec une sincérité évidente, que cet homme a occupé une place énorme dans votre vie, que vous l'avez quitté de votre plein gré et que vous avez passé votre temps à le regretter parce qu'en fait, vous ne vous en êtes jamais remise de cette rupture-là. Enfin, j'ai mis 10 ans à essayer de le retrouver, oui. Et ce que vous racontez sur tous vos tripes incroyables pour essayer d'oublier cet homme absolument inoubliable pour vous, ça, c'est très émouvant comme expérience humaine. Et je suis troublée parce qu'en même temps, je trouve qu'il y a un côté exhibitionniste de ce qui... quelque part devrait rester du domaine de l'intimité qui m'a de temps en temps, en plus parce que je connais Sophie, qui m'a fait me sentir comme si j'avais mis mon œil dans le trou d'une serrure, regarder des choses qui en fait ne me regardent pas tout à fait, quoi. Donc je suis un petit peu ambivalente vis-à-vis de ça, à la fois émue par votre expérience de femme qui a trop aimé un homme qui quelque part ne le méritait pas parce que je trouve que malgré vos efforts, vous n'arrivez pas à nous le rendre tout à fait sympathique. Ah bon? Je trouve cet homme très intransigeant. Il aurait pu vous pardonner de l'avoir quitté, vous revoir, pouvoir reprendre un café avec vous et que vous n'ayez pas à attendre 30 ans pour pouvoir le voir face à face dans son cercueil, quoi. J'ai trouvé que c'était très dur, quoi. C'est une histoire qui est dure. Tu ne peux pas juger. Tu ne peux pas juger à sa place en disant il pouvait lui pardonner. Tu ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. Moi, je pense d'abord... Je te dis ce que j'ai ressenti en disant... Cet amour très fort, c'est parce que c'était un Pygmalion. Oh, c'était un papa, en quelque sorte. C'était un papa. Moi, j'ai quitté mes parents. Avec ses femmes, pas avec ses enfants. Ça, c'est un autre sujet. Moi, ce livre, c'est le mien. C'est ma liberté d'artiste, de femme, etc. Moi, je pense que je l'ai quitté trop tôt. Je n'avais pas encore fait le deuil de cet homme qui était vraiment comme un père. C'est clair. Et quand j'ai quitté mes parents pour vivre avec lui, ça a été un bouleversement parce que la petite fille du Champ de Mars, de papa avocat, qui s'en va pour vivre avec un Jean-Yann qui faisait de la radio, qui était une grande gueule, etc. Ça, et puis moi qui disais des vers tous les soirs à la Comédie Française, c'est vrai qu'il y avait un gouffre. J'ai pas écrit ce livre pour le rendre sympathique. Je l'ai écrit moi pour m'aider à faire le deuil et parce que moi j'avais envie de lui dire des choses que je n'avais pas eu le temps de lui dire. Jean-Bernard, eh bien, vous l'avez lu?
Ah oui, oui, j'ai tout lu. Je suis très embêté, je suis très gêné. Vous attendiez un peu à ce genre de réaction? Non, forcément. Pas du tout, mais je suis ravie, moi j'adore discuter. Bon, non, mais attendez, forcément, vous doutez bien qu'en publiant un livre comme ça où on se raconte tellement, il y a des gens qui se disent, est-ce qu'elle devait le faire? Non, vous attendiez pas à ce genre de réaction? Attendez, surtout tant d'années après, si vous... Jean-Bernard, alors allez-y. Alors, quand on touche à un sujet, on est bien obligé de l'appeler sujet, comme Jean-Yann, il y a deux hommes. Il y a le professionnel que nous révérons tous et qui était un géant. Et puis, il y a l'homme dans sa vie amoureuse et familiale qui était un nain. Il s'est très mal conduit avec toutes les femmes avec qui il a été. Il les a toutes traitées de la même façon. Il ne s'est pas occupé de ses enfants. Et je ne sais pas si aujourd'hui, il aimerait vraiment que vous ayez écrit ce livre. Moi, je l'ai connu un tout petit peu. On a travaillé dans la même radio au même moment. C'était la grande gueule que nous connaissons, l'immense talent qu'il avait. Mais je pense que c'était typiquement le genre de choses qu'il n'aurait pas aimé que l'on fasse. Il n'en savait rien. C'est pour ça que j'ai dit « je pense ». C'est pour ça que c'est votre droit. Et puisque vous rentrez justement dans le côté très famille, je comprends tout ce qu'il a pu vous faire et tout ce que vous avez subi, qui n'a pas été très rigolo, et que vous ayez besoin de vous psychanalyser en faisant ce livre, enfin, ou en tout cas d'évacuer le problème, si je puis dire. Mais lui, il a laissé derrière lui des enfants, et on va dire, vous le disiez, la boucle est bouclée, oui, effectivement. Non, je parle de moi. Oui, vous. Non, mais vous déplacez, pas... vous déplacez tout à fait le problème. Moi, je parle de ma période avec Jean, et de ce qui s'est passé en moi lorsque nous avons été séparés. Je ne me permets pas de parler de sa vie, de ses enfants. Je parle, moi, en tant que Nicole Calfan, qui a aimé un homme que je n'ai pas pu reconquérir pendant 10 ans. Après, j'ai fait ma vie, j'ai des enfants, je suis très heureuse aujourd'hui. Mais j'ai le droit, en tant qu'auteur, en tant qu'artiste ou en tant que femme, de parler de quelque chose qui m'a bouleversée et qui m'a aidée à grandir. C'est tout. Donc, je suis un petit peu étonnée de votre suspicion et de, par rapport à mon honnêteté, je suis tout à fait intègre. Moi, je raconte une histoire d'amour qui a été la mienne à 22 ans jusqu'à 28 ans. Et les dégâts qui ont été occasionnés par cette rupture d'un homme que j'ai quitté trop tôt parce que j'étais, comme vous le dites, un peu écervelée et un peu un papillon, mais qu'au bout de 8 jours, quand j'ai quitté cet homme, c'est ça qui est joli et qui m'a donné l'idée de ce roman, c'est « Mais où il est, papa? Où est-il ?» Et en plus, je l'ai quitté parce que j'avais eu le malheur de le trompouiller et que moi, étant quelqu'un de très pur... Ça, c'est un jeu. Alors ça, c'est bien la mauvaise foi des femmes, ça. Oui. Trompouiller, voilà, un nouveau mot. Et que, ben voilà, trompouiller, on va mettre au dictionnaire. Je ne t'ai pas trompé, je t'ai trompouillé. Trompouillé. Et ah, vous êtes génial. Et ce que je trouve intéressant, c'est que chacun est comme il est, mais moi, le fait d'avoir eu un regard dirigé vers 2 autres hommes, de loin, je dis bien trompouillé, je me suis dit, si j'ai eu un désir ailleurs, c'est que je ne l'aime plus. Mais c'est ça qui est intéressant. Si vous avez lu que l'anecdote, moi je connais Sophie, on s'est toujours respectés, etc. Moi je ne parle pas de sa vie, je parle de moi après lui et de moi avec lui. Que ce soit clair. Sophie, qu'est-ce que vous en pensez, vous, alors? Bah, ce livre m'a beaucoup dérangée, bien évidemment. Moi, je vous aimais beaucoup en actrice, moins en littérature, mais je veux dire que c'est normal, il m'a quitté, il est parti avec elle. Donc j'ai une attitude de femme jalouse et blessée. Mais ce qui m'a dérangée dans ce livre, c'est effectivement cet étalage personnel. C'est d'autant plus... Moi, je respecte son histoire d'amour, je la comprends, je la connais, je l'ai vécue. Je respecte sa douleur, je l'ai eue au même degré qu'elle, en brûlure extrême. Tout ça, je respecte, c'est beau, c'est une belle histoire. C'est votre histoire. Je ne pense pas que Jean aurait apprécié que vous l'éditiez, que vous l'écriviez, car je l'ai beaucoup connu avant et après vous. Je l'ai beaucoup fréquenté, à cause des événements, bien sûr. Mais cela dit, ce qui m'a beaucoup dérangé et qui m'a même un peu peiné, et je suis désolée, mais je vais peut-être vous peiner aussi, c'est qu'en fait, il a utilisé les mêmes histoires avec les filles. Son eau de toilette, ses gags, ses bougies, ses dépistages, sa maison de campagne, que j'avais bien fréquentée avant vous, femme ou pas femme. Ça m'a fait de la peine, moi, en tant qu'ex, aussi, parmi tant d'autres, parce que peut-être qu'il y en a d'autres ici, il était très d'honneur. Mais je veux dire, ce qui m'a fait de la peine, c'est qu'en fait, il utilisait toujours les mêmes ficelles. Mais ça, c'est classique des hommes. Ce ne sont pas des ficelles, c'était lui. C'était lui. Et les mêmes dessins, et les bas noirs, et toujours le même truc. Elle est jalouse, elle est jalouse. Ça, c'est une belle anecdote. Elle est jalouse. J'ai une belle anecdote.
Il lui avait demandé avant de partir à mon enterrement. C'est quand même, il pensait déjà à l'époque. Tu mettras des bas noirs. Oui. Vous avez mis bien des bas noirs le jour de son enterrement. Bah, bien sûr. Alors vous n'en portez jamais. Mais jamais, mais c'était un clin d'œil. Vous avez mis, vous? Non, sûrement pas. Non, mais vous avez écrit quelque chose à ventre ouvert qui m'a un petit peu dérangée. Bon, que ce soit parce que c'est Jean-Yann, ça aurait été M. Beaucofuseau, ça aurait été pareil, ça m'aurait peut-être un peu dérangée, mais ça m'a d'autant plus dérangée que j'avais vécu la même histoire. Je me suis dit, mais le salaud, il y a fait le même numéro, donc ça, ça m'a un petit peu irritée. Il a fait le même numéro. 35 ans après, c'est dérangé, quoi. Les passions qu'il suscite. Terrible. Que les choses soient très claires. Moi, j'aime l'image. Il s'est rien passé entre toi et Jean-Yann. Oui, comment ça s'est passé? Vous avez les bougies aussi. Moi, j'aime l'image qui se dégage de vous. J'aime cette idée de la femme fatale qui est installée autour de vous. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'aime Nicole Calfin en tant que femme. Déjà, les choses sont claires. Mais il est vrai que ce livre m'a gênée. Je me suis dit, pourquoi tant d'années après, elle se réveille tout d'un coup. Alors, est-ce qu'elle ne voulait pas qu'il soit là pour la contredire? Est-ce qu'elle s'est dit, tiens, il y a un petit coup médiatique à faire? Non. Et elle a vu que c'était porteur, il y a 3-4 bouquins qui sont sortis sur Jean-Yann, allez, on prend la navette et on y va. Est-ce que... C'est bizarre quand même, il y a un truc qui me gêne là-dedans. Je comprends que Sophie, ça la rend malade, quoi, franchement. Pas malade. Écoute, quand il est parti avec elle, au milieu de tous mes désespoirs, je me suis dit, en voilà une qui est vraiment jolie, parce qu'il y avait eu quelques tons qui avaient traversé ça. Et je me suis dit, celle-là, elle est vraiment jolie, en plus, c'était une bonne comédienne. Bon, on s'est toujours, comme elle dit, respectée, et on s'est fait un sourire à l'enterrement pendant que le curé faisait son homélie, avec des textes qui étaient un petit peu du Jean-Yann, du reste. Mais je veux dire, je n'ai rien contre... j'ai aucune raison d'avoir la moindre détestation pour Nicole Calfon. Stéphane Pocrin. Ouais, c'est pas facile d'être sur ce plateau avec vous deux en même temps, en tout cas. Hein. Oui. Et pour la même raison, pour moi, c'était pas du tout facile de lire ce livre. Bon, pour dire franchement, qu'il ne vaut pas du tout par sa qualité littéraire. J'ai pas lu les 7 précédents. Mais surtout, ce qui me gêne, c'est... Parce qu'à la limite, après avoir lu le livre, j'étais un peu gêné, mais je me disais, bon, bah, après tout, comme vous le dites vous-même, c'est votre droit. Mais en même temps, maintenant que vous employez l'argument, je me dis, mais il y en a marre de ces gens qui, parce qu'ils ont un truc à dire, écrivent un livre. Et lorsqu'on les critique, lorsqu'on les titille sur le truc, disent, c'est mon droit. Mais ça, c'est finalement... C'est pas mon premier livre. Si je peux juste finir, c'est pas une réponse, c'est pas un argument. Bien sûr, on a tous le droit d'écrire ce qu'on veut, de dire ce qu'on pense, mais du coup, on a aussi le droit de vous dire que ça nous a gêné de lire ça, qu'on n'avait pas envie de le lire, et que si j'avais pas été dans cette émission, certainement, j'aurais pas ouvert votre livre. Moi, j'adore écrire, c'est quelque chose qui fait partie. J'ai mon métier d'actrice et j'ai l'écriture. Et j'avais vraiment envie d'écrire ce livre. Il n'y a aucun côté mercantile, mais aucun... Isabelle me connaît un petit peu, c'était ma compagne de la dictée de Pivot, j'ai tout copié sur elle. Et pas le bouquin? Non, bon, pas le bouquin, la dictée. Et je suis absolument, même très étonnée, c'est pour vous dire à quel point je suis sincère, je suis très étonnée de vos réactions. Mais tant mieux, c'est bien, d'autres gens auront d'autres réactions. Parce que vous touchez à l'un des personnages les plus emblématiques du cinéma, de la radio, de la télé, des 20 ou 30 dernières années. Et donc, la statue du commandeur, pour moi, la statue du commandeur, c'est Fred Aritipeu. Je vous réponds, il y a tellement de gens qui écrivent sur d'autres gens qu'ils n'ont jamais connus, que moi, j'avais envie d'écrire ce que je savais sur cette personne. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ça, c'est un bon argument. Celui-là, il faudrait l'utiliser. Jean-Luc Lemoine. Une nouvelle fois, on me donne la parole en dernier, donc ça me permet de faire un bilan. Oui. Déjà, première chose, on peut dire que vous avez bien fait de venir. J'en suis pas sûre, j'aurais dû rester chez moi. Et pour moi, c'est pas un livre de souvenirs, c'est un livre de regrets. Et bizarrement, on a l'impression qu'il a fallu la mort de Jean-Yann pour que le fantôme de Jean-Yann disparaisse. Mais tout à fait. Donc c'est très bizarre. Le seul truc qui me manque vraiment dans ce livre, c'est le contrepoint. Moi, ce que je voudrais savoir, et peut-être que vous le savez, parce que visiblement, c'était quelqu'un aussi d'une grande pudeur qui pouvait aussi cacher ses sentiments. Est-ce que votre histoire, on sait qu'elle a continué après votre séparation. Est-ce que lui, d'après vous, franchement, votre histoire, vous deux, s'est arrêtée le jour où vous l'avez quitté ou le jour de sa mort? Écoutez, moi, je pense que le jour où il est vraiment définitivement parti, moi, je me suis sentie libérée de quelque chose. Il y a des jours où je me disais, en fait, il n'en a rien à foutre de moi. Pourquoi j'espère, je quémande ce petit café qu'il m'a toujours refusé? Je ne sais pas. D'autres amis m'ont dit qu'il avait fait beaucoup de choses pour que je le quitte. C'est-à-dire qu'il était un peu en position de faiblesse. Il a eu cet infarctus. Il disait, je ne pourrais plus me battre si on te met la main aux fesses dans la rue, etc.
je ne sais pas. Moi, ce qui compte, c'est que je suis fidèle à moi-même et en écrivant ce livre, je me suis libérée de son départ définitif et je lui suis restée fidèle. Je ne peux pas vous dire autre chose. Non, parce que c'est bizarre, il y a aussi beaucoup de passages où vous livrez vos réflexions face à sa dépouille et tout, et c'est vrai que des fois, c'est quand même limite morbide. Mmh. Justement, vous parlez du petit café, vous dites que là, vous êtes venu avec une petite... On va le boire là, ce petit café. Voilà, une petite gorgée, vous avez gardé une petite gorgée de café en disant, enfin, on boit ce café. C'est, des fois, c'est, ça glace un petit peu le sang. Ça, vous en avez conscience. Tout à fait. D'accord. Bah, je crois qu'on ne peut pas en dire plus. Les téléspectateurs qui auront envie d'en savoir plus et de connaître le Jean-Yann de, on va dire, le Jean-Yann de ces 5 ou 7 années-là, c'est celui-là que vous racontez, celui qui vous a fait quitter la Comédie Française, ça aussi on l'a pas dit. Moi j'avais oublié que vous aviez été comédienne à la Comédie Française. Elle l'a quitté alors qu'elle devait jouer le rôle d'Ondine qui a été repris par Isabelle Adjani et c'était, elle avait un grand avenir dans le théâtre. Pourquoi il vous a demandé de quitter la Comédie Française? Ben parce que Ondine a été reculé d'un an, le projet a été reculé d'un an, Raymond Rouleau m'a demandé de patienter un an, il y a eu les Trois Mousquetaires de Richard Lester et je me suis interrogée, Jean m'a dit va faire ton film et j'ai quitté le Français, voilà. Parfait. On ne disait pas ça comme ça. Tu laisses tomber tous ces connards. Attends, ils sont nuls. Vas-y, viens. Elle va le co-signer bientôt. Allez, toi, l'ours, moi, la poupée, Jean-Yann et moi, c'est chez Michel Lafon. On va remercier encore Nicole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Allez, le tac à finir, tous ensemble, équipe contre équipe. Le premier tac à finir est signé Guillaume Durand. Et il déclare, à propos des Victoires de la Musique, il les présentera le 28 février prochain, aux Victoires de la Musique, on ne pourra ôter aux artistes le plaisir... De chanter. En direct. Pas de chanter. De chanter. De jouer. Non. De dire du mal des autres. Non. De s'amuser. Non, c'est un problème récurrent aux Victoires de la Musique. De critiquer parler des les intermittents discours. Du spectacle. Non. Ah, de ça, c'est une bonne idée, les intermittents du spectacle, mais c'est pas ça. Qu'est-ce qu'ils font tous? De pleurer. Non. De remercier leurs parents. De remercier leurs proches, leurs parents. Bravo, Stéphane Coquerin. Un point pour l'équipe Garrel. La tête de liste de François Bayrou à Paris, Mme Corinne Lepage, qui a été aussi ministre de l'Environnement, dit à propos de Mme Bachelot, Roselyne Bachelot aurait pu être un très bon ministre. Mais elle ne l'est pas. Non. Ministre. C'est un ministère inventé par elle ou... Non. Pas du tout. Mais c'est ce que ça veut dire. Ministre de la Culture. Non. Non, elle... De l'Agriculture. Elle ne précise pas à quel ministère, mais qu'est-ce qu'elle dit, elle mais dit... à un autre ministère. Dans un autre secteur. Bravo, Péricochard. Le point est pour nous. Bravo. Josiane Balasco, qui a publié un bouquin qui marche très fort, qui s'appelle « Cliente » chez Fayard. Josiane Balasco dit « Je préfère accrocher à mes murs des choses que je trouve belles plutôt que... » Des mères. Des trucs chers. Pardon ? Des photos de moi. Des photos de moi. Bravo, Stéphane Coquerin. De là. Triché. OK. On passe à Francis Maire, qui déclare « Il faut cesser de rire des petits boulots. Il vaut mieux être un qu'un... » Un petit travailleur qu'un gros feignant. Ah, alors. C'est qu'un chômeur. Il vaut mieux être un distributeur de journaux. Alors qu'un chômeur. Qu'un chômeur de quoi? Un chômeur de longue durée. Un emploi intérimaire qu'un chômeur de longue durée. Il vaut mieux être intérimaire plutôt qu'un chômeur de longue durée. Un smicard qu'un chômeur. Ouais, un travailleur modeste qu'un chômeur de longue durée. Je l'accorde à l'équipe Garrel Le Moine Coquerin. Ah bah non. On a dit la moitié du truc. La moitié. Mais ce n'est que la moitié, ma chère. Alors un point chacun. Non, ça fait 3-2. Je proteste. Vous menez encore. Mais je proteste. Mais vous laissez manipuler. Attention, vous pouvez égaliser sur le dernier tac à finir. C'est une animatrice que vous pouvez peut-être voir sur France 5 de temps en temps qui s'appelle Maïtena Biraben. Et elle a été invitée il n'y a pas longtemps dans l'émission de Thierry Ardisson, vous savez, où tous les animateurs étaient invités à la même table. Il y avait Drucker, il y avait Foucault et d'autres. Et elle a dit, Drucker et Foucault ont été très aimables, très urbains, très... Professionnel aussi. Non. Focus. Pas focus, non. Ah. Ça va intéresser Isabelle Alonso. Charmant, charmeur. Misogyne. Bravo, ouais. Voilà. C'est l'équipe Garrel qui gagne. Bravo. Eh bien, vous gagnez. Maintenant, je peux vous dire ce que vous gagnez. Vous gagnez 15 jours de vacances. Et donc, vous qui revenez la semaine prochaine. On vous souhaite un bon week-end à lundi. Restez sur France 2. Bye bye.